Hello tout le monde, c'est Barthes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour un vlog au ski. On part demain au ski, alors du coup je termine le cours à 16h30. Et quand je reviens à la maison, bah du coup on part directement. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas ce soir vous présenter les affaires que je vais avoir pendant mon séjour au ski. On va commencer par la tenue. On commence déjà par des après-ski. Voilà, donc ça c'est des chaussures. Oui, il y a encore l'étiquette. Voilà. Donc du coup on commence déjà par les chaussures, voilà, par les après-ski. Voilà, donc on a des après-ski ici qu'on apprécie. Ensuite on a le pantalon. Ce qui est chaud c'est que ma caméra, tout ce qui est noir, elle voit pas. Alors, bon, ouais. Donc là je suis obligé de m'approcher pour que vous puissiez bien le voir. Donc voilà, petit pantalon, une veste, voilà. Bah du coup j'ai déjà essayé tout ça et après on va continuer avec la suite. Ok, donc pour l'instant ça donne ça. Donc le pantalon il est mis, les après-ski aussi, la veste aussi. Et du coup, après on va passer plus au niveau du visage. Alors, déjà j'ai un tour de cou, voilà, un petit tour de cou. Ok, nickel. Ensuite, du coup pour la tête, qu'est-ce que j'ai prévu? Une casquette d'hiver avec des oreillettes, voilà. Et j'ai aussi des lunettes. Et maintenant, la dernière chose, les gants. Et voilà, bref. Il fait chaud de fou là. J'ai chaud de fou là. Alors pour les lunettes, je vais peut-être mettre un masque à la place. Parce que bah, il y a quand même pas mal de buée quand je les mets, donc du coup ça va être chiant pour skier. Donc j'ai aussi prévu quelques petites choses en termes de matériel vidéo. Donc je vais filmer peut-être avec ma Sony ZV1, celle que j'avais prise pour filmer bah, du coup mes vlogs en Irlande. Enfin, le vlog Puy du Fou et les vlogs USA. Et aussi j'ai ça, là les caméras en train de charger, mais du coup j'ai une caméra de sport avec une perche, voilà, comme ça je pourrais me filmer. Et j'ai aussi ça, j'ai ça, c'est un truc que je mettrai autour de ma tête. Voilà, donc là c'est un truc qu'on met sur la tête avec la caméra, du coup ça nous filme là. Et après j'ai un autre truc, j'ai aussi ça, j'ai un harnais qu'on vient positionner là, qui fait autour là, et qui filme aussi pareil, donc à voir. Peut-être que je vais avoir ce que je vais prendre, ce que je vais filmer avec. Bon allez, bref, donc là voilà, je vous ai présenté les vêtements que je vais avoir lors de mon séjour au ski. Et donc bon, on se dit à demain pour le début de l'aventure. Pow. Bien joué aussi. Top. Alors en fait faut savoir que ce vlog il va être présenté d'une manière assez différente. Ça va pas être comme les vlogs aux États-Unis, comme les vlogs en Irlande, les vlogs aussi de cet été. Ça va être différent. Non, cette fois-ci là je vais parler et je vais mettre des extraits. Donc du coup le premier jour nous sommes arrivés déjà à la station. Et nous sommes allés essayer les chaussures de ski. Ensuite du coup on a commencé à faire quelques petites pistes. Alors oui, aussi la caméra, la GoPro que j'avais pris, la qualité était nulle à chier en termes de lumière. En termes de qualité elle est bien, mais en termes de lumière elle est nulle à chier. Donc du coup si vous voyez que la lumière elle est un peu bizarre, c'est parce que j'ai fait des modifications. Voilà. Donc le premier jour nous sommes partis skier. Là ça commence. Wouhou. C'est sympa pour l'instant. On a fait quelques petites pistes, c'est plutôt cool. Ah, c'est incroyable, le ski, ça me manquait des sous là. Ça me fait genre 5 ans que j'avais pas skié. Thank you.
Après, du coup, on n'a rien fait de spécial, on est juste rentré à la maison. J'ai dormi, mes parents sont partis explorer et ils sont partis le soir avec un groupe pour aller voir les étoiles par un guide. Voilà, alors que moi je dormais pendant ce temps-là. Et le deuxième jour, on a aussi skié. Après l'effort, le réconfort. Après ce dur moment de ski, on s'est tapé une raclette des montagnes incroyable. Vous vous rappelez ma vidéo où je goûtais les différents fromages de raclette? Il y a eu un commentaire disant que c'était mieux le fromage avec la meule. Bah c'est vrai, même si je savais déjà, c'était vrai. Et là, avec cette raclette là, oh là, c'était incroyable, c'était trop bon. Ensuite, on se devait se dépêcher parce que l'après-midi, on avait une sorte d'escape game. Alors j'ai pas pris de photo ou quoi parce que c'était vraiment un petit escape game de 18 minutes. En fait, pourquoi est-ce que ça durait 18 minutes? Parce que c'était un escape game. C'était pas vrai. En fait, c'était présenté sous le nom d'escape game, mais c'était pas réellement un escape game. C'était plutôt un... Bah, en fait, le concept du truc, c'était d'apprendre à secourir quelqu'un en avalanche. Donc, du coup, on avait plusieurs sacs avec des cordes et tout ça. Donc, ça, c'est le côté un peu escape game. Et on devait utiliser. Donc, du coup, on avait des outils. Donc, on avait une pelle, une barre. On avait un petit engin. Et ce petit engin, on devait essayer de rechercher. L'autre engin qui était connecté ensemble pour pouvoir le retrouver. Donc ça simulait comme s'il était dans une avalanche et qu'avec cet outil là on pouvait retracer quelqu'un. Et pourquoi est-ce que ça durait 18 minutes? Parce que c'est le temps qu'on estime généralement pour pouvoir sauver quelqu'un après une avalanche quoi, quelqu'un bloqué dans une avalanche. Et généralement le truc qui est bien c'est que quand il y a de la neige ils utilisent des outils. Sauf que quand nous on est allé, il n'y avait pas de neige, il faisait hyper chaud, il y avait quelques pistes d'ouvertes. Et donc du coup bah on a fait un petit truc qui était quand même sympa mais genre c'était pas aussi stylé que s'il y avait plus de neige.
voilà le troisième et dernier jour, donc on se dit ouais on va pas beaucoup skier. Donc on commençait d'abord par une petite histoire de s'échauffer, voilà, de se roder un peu pour bien commencer la journée. Et après on a décidé de faire une piste plus grande. Et à ce moment-là j'avais placé le harnais sur la tête de ma sœur pour qu'elle puisse filmer. Et du coup bah c'est ma sœur qui filmait et à un moment il y a quelque chose d'assez inattendu qui s'est passé. Je suis rentré dans ma sœur. Alors, attendez, non, pas dans cette manière-là, je vous laisse avec les extraits. C'est un peu drôle. J'ai pas fait exprès, c'est bon. Allez, on continue. Ensuite, troisième jour, on a continué de skier. Par contre, j'ai un truc, j'ai trop le seum. Donc, en fait, on sentait que la neige a été beaucoup moins bonne par rapport à samedi. On sentait que la neige était beaucoup moins bonne par rapport à samedi. Donc, du coup, on s'est dit, ok, on va skier un peu le matin. On va d'abord laisser les premiers skieurs passer, comme ça, c'était pas hyper glas, la neige. Bah, la piste, elle est quand même un peu dégivrée, il y a quand même eu du passage et tout ça. Parce que, du coup, on commençait vers 11h midi. Et jusqu'à 14h, quelque chose comme ça environ, bah, ça commençait à être... de la merde, quoi. C'était plus de la neige, c'était de la gadoue, enfin, c'était de l'eau, quoi. Genre, c'était pas où j'ai oublié le terme, mais c'était pas de la bonne neige. Donc, du coup, pour la dernière piste, du coup, en fait, il y avait une télécabine qui montait pas très haut, et du coup, on pouvait refaire la piste, donc du coup, c'était assez rapide. Et il y en avait une autre qui montait tout en haut de la montagne. Et donc, du coup, celle-là, on l'a fait deux fois le dernier jour. Et la deuxième fois, j'ai dit à ma mère, vas-y, filme-moi, donc prends ton truc à mettre sur la tête de la GoPro. Et du coup tu vas essayer de mieux me cadrer, enfin tu vas me regarder pour que ça puisse bien cadrer quand je vais skier. On a fait une descente d'à peu près 30 minutes, voici les images. Donc vous laissez un peu d'espace entre vous deux. Allez-y avant. Ah bah ça va, c'est le tour de ski, c'est une dame. J'ai le seum. La vidéo n'a enregistré que 32 secondes sur les 30 minutes. Et en plus, ces 32 secondes, c'était le temps qu'on se prépare, qu'on mette bien les bâtons, les gants, les dragons et tout ça. Donc en fait, au final, on n'a rien filmé. J'ai trop le seum. Parce qu'en plus, du coup, j'avais repéré les petites bosses, donc c'était stylé, tu vois, ça faisait un peu tremplin. Je me suis dit, ouais, pour la vidéo, ça peut être pas mal. Non! Ça puait la merde. Ça puait la merde et j'avais trop le seum. Ça m'a fait chier de fou. Donc après on a mangé tranquille. Et après on avait une autre activité l'après-midi. Bah, donc comme je vous ai dit, la neige était beaucoup moins bonne. Donc on a décidé de faire d'autres activités, de chiller aussi parce que bah, c'était les vacances. Du coup ce qu'on a fait, c'était un atelier assez intéressant. Où en gros ça parlait des animaux de la montagne. Et donc du coup on avait des bruits, on devait essayer de deviner quel animal c'était. Et donc du coup après on nous expliquait des choses, par exemple si c'était... un faucon des Pyrénées, il nous expliquait son gabarit, il y avait parfois des traces de pas et tout ça, donc c'était assez intéressant. Il y avait aussi une bête qui était que des Pyrénées, qui était dégueulasse, je vous mets l'image juste là. C'est quoi ce bordel là, regardez-moi comment c'est moche. Bah du coup mardi dernier jour on n'a pas skié parce qu'on a rendu les skis lundi soir. Et donc du coup le mardi on a fait une petite randonnée. Et après, bah, on a repris la route tranquillement vu qu'on avait 5 heures de route quand même. Et l'après-midi du lundi, on a fait quelque chose de pas mal avec ma soeur. On a fait de la luge parce que l'endroit où on était, donc c'était un hôtel. Bon, en fait, c'était plutôt comme un centre de vacances, on va dire ça. Donc, vous avez chacun des appartements, des chambres et tout ça. Et du coup, tout ce qui était repas et mon petit déjeuner et dîner, c'était à l'hôtel qu'il fallait le prendre. Donc du coup c'était sympa et puis bah, ils prêtaient des luges. Donc du coup moi et ma soeur on a pu faire quelques petites luges. Je suis prêt à faire un cours.
Bah, elle a ça comme luge. Moi j'ai ça comme luge. C'est parti. Ah. 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 Yeah, je pars avec Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette manière de raconter les vlogs, ça vous a plu. J'essaie quelque chose de faire différent. En vrai, le truc c'était que j'avais pas beaucoup filmé sur place. J'avais juste filmé les descentes de piste et tout ça. En fait, c'est plus pour les souvenirs de vacances. Parce que quand on avait fait par exemple le voyage aux États-Unis, le voyage aussi l'été dernier, puis du fou et puis dans la montagne, j'ai réalisé que je filmais et que je filmais juste pour YouTube, quoi. Genre, juste pour ça. Et je filmais pas pour avoir des souvenirs de vacances. Donc là j'ai vraiment filmé pour qu'on ait des souvenirs de vacances et pour que je puisse les prendre pour les vidéos. Et donc voilà, c'est une manière un peu originale, un peu différente de faire. J'espère que ça vous a plu. Oui, comme vous voyez, ma voix est un peu différente. C'est parce que j'ai ramené un super souvenir des sports d'hiver, c'est un rhume. Bref, donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.